Bonjour à tous, on va jouer quelques petits morceaux Bonsoir. Dans vos petites maisons, dans vos appartements, dans vos voitures. Et nous, on est bien installés à la chapelle bleue à Ploermel. Voilà, on est très contents d'être là. On va jouer de la musique irlandaise pour cette Saint-Patrick et on va commencer avec une fuite de Reel. Je crois que le premier morceau s'appelle The House of Hamill. C'est bien ça, tout à fait. Et le deuxième s'appelle Dan Dreams. Alors on a décidé avec Sylvain de faire des morceaux qu'on ne joue pas souvent et qu'on n'a jamais répété avant aujourd'hui. Voilà. Parce que vous êtes là quand même. Hein. Bon. Alors, changement de... Et en plus, ils ont le droit de manger des chips sans nous déranger. Qu'est-ce qu'on joue maintenant? Des slow reels. Des slow reels, des reels longs. Le premier s'appelle The Cat That Ate the Candle, le chat qui a mangé la bougie. C'est très bizarre, comme on n'a jamais su l'histoire du morceau. Et le deuxième, voilà, on ne sait pas, on va. Hein? On se joue quoi. On va le jouer quand même. Hein? Thank you.
L'accordage, c'est du direct aussi. Là, on va faire une suite qu'on n'a jamais jouée. Oui. C'est un slow air irlandais, évidemment, et suivi de deux jigs. Au Hidden Pipes. De jouer dans une chapelle vide, mais c'est un peu froid. Mais on va se réchauffer avec les morceaux. Thank you.
change de registre, on va jouer un morceau qu'on aime bien, qui vient du Brésil, un vieux choro. Choro, c'est la musique instrumentale du Brésil. C'est un morceau qui s'appelle Apanhei Te Cavaquinho, qui veut dire attrape-moi petit cavaquinho. Et donc ce morceau-là, il a été composé par Ernesto Nazareth en 1914. Pour raconter l'histoire d'un flûtiste qui se fait courir après un joueur de cavaquinho. C'est la main droite et la main gauche du piano. À sa fin déjà, c'est court, une demi-heure, on va peut-être jouer des hornpipes. Allez. Un hornpipe suivi de deux reels. Voilà, pour fêter cette Saint-Patrick. Et on vous donne tous rendez-vous dans les théâtres et les scènes nationales de France pour venir manifester. Tout à fait. On en profite pour dire que ce sont des morceaux qui sont sur un album, et oui, qui est disponible, chez Cobrez, par exemple, voilà. Voilà, entre autres. Entre autres. Notre disque s'appelle The Last Days of Fall, les derniers jours de l'automne, parce que évidemment, il a été enregistré quelques jours avant l'hiver, il y a 3 ans de ça.
On ne sait plus trop maintenant, hein, si c'est deux. On ne sait plus, ouais, on a perdu un an. Là. Donc voilà, vous pouvez toujours l'acheter sur le site de Codebraise, entre autres, ou sur nos sites respectifs. Oui. À bientôt. Puisque c'est l'occasion pour laquelle nous jouons. Et avec plaisir. Merci.